Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une nouveauté. Donc, c'est un livre, mon premier livre que j'ai fait avec des histoires, des vidéos que vous connaissez. Donc, sous forme papier et sous forme e-book, il y a les textes des vidéos, donc les histoires racontées. Alors, quelle différence avec les vidéos? Il y a plusieurs différences. Ben déjà, vous pouvez avoir un livre. Ce n'est pas une vidéo. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas besoin d'Internet. Vous pouvez raconter à votre enfant ou à des enfants les histoires. Ils peuvent les lire eux-mêmes. Il y a des passages bibliques. Avant chaque histoire, il y a des vérités spirituelles qui vont guider toute l'histoire et sur lesquelles vous pourrez rediscuter avec l'enfant parce que ce sont des histoires assez longues, comme vous voyez dans les vidéos. Donc c'est différent des Bibles pour enfants qu'on peut trouver, qui sont en général un survol assez court, avec plusieurs illustrations des histoires bibliques. Donc là, chaque histoire, elle parcourt 2, 3, des fois 4 pages, et elles sont à raconter en une fois ou en plusieurs fois, ça dépend de l'attention de l'enfant, de l'âge de l'enfant, des questions de l'enfant. Donc, c'est vraiment bien pour ouvrir la discussion avec l'enfant sur des choses spirituelles. C'est pas toujours facile, on ne sait pas toujours comment aborder ces questions-là, ces sujets. Et à travers un livre, c'est plus facile. Donc, il y a une illustration avant chaque histoire qui donne un petit peu le résumé. Le point clé de chaque histoire. Donc, c'est pour une mémoire visuelle. Et après que vous ayez lu l'histoire ou que l'enfant a lu l'histoire, je vous conseille de lire les textes bibliques. Donc, quand c'est sur plusieurs chapitres, puisque là, c'est l'Ancien Testament, eh bien, je vous ai mis tout le long du texte de l'histoire, entre parenthèses, des passages. Donc ce n'est pas tous les chapitres et vous pouvez lire juste ces passages-là. Pourquoi? Parce que l'enfant aura entendu l'histoire. Donc quand vous allez lire avec lui le texte même de la Bible, qui est un langage plus élaboré, un vocabulaire spécifique, donc c'est plus difficile pour l'enfant. Il comprendra parce qu'il connaît maintenant l'histoire, il l'a entendu. Mais vous l'habituez justement à ce langage spécifique et vous allez l'habituer petit à petit à lire directement dans une Bible normale, qui a toute sa richesse justement de ce vocabulaire biblique spécifique. Donc voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez développer avec l'enfant à travers un livre. Donc ce livre fait 145 pages. Alors je me suis arrêtée à 25 histoires parce que sinon ça aurait été trop gros et donc trop cher aussi à l'achat parce qu'il y a le prix de l'impression, le prix d'envoi quand c'est les livres papier. Bon, bien sûr, les e-books, il n'y a pas tout ça, donc c'est beaucoup moins cher. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un e-book, c'est un livre électronique qui peut être lu sur un ordinateur, sur une tablette, un téléphone, avec une application gratuite d'Amazon Kindle qu'ils offrent. Et donc, ce livre, je le vends sur Amazon. Et il sera à partir de demain 9 août 2023 jusqu'au 13 août 2023 gratuit. Attention, il y a seulement 5 jours gratuits. Bon, il n'est pas très cher à l'achat.
Il est plus cher en, sous format papier, comme je vous ai dit, il y a des frais, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'offrir mais gratuitement. Donc, Medibook, oui. Et ça vous permet de voir justement si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Plus tard, vous pouvez évidemment l'acheter sous format papier. Et c'est aussi l'opportunité de le faire connaître, d'offrir ce livre en e-book, donc numérique, à vos amis, à vos connaissances, le partager sur vos réseaux, parce que pour moi, c'est l'occasion de faire connaître Trésor du ciel et bien sûr de répandre la parole de Dieu à un plus grand auditoire. Et il sera traduit en plusieurs langues, mais c'est pas pour l'instant. Là, il vient d'être mis en ligne aujourd'hui en français et la promotion commence demain. Donc, n'hésitez pas à aller voir. S'il vous plaît, aidez-moi en mettant des commentaires. Des commentaires, bien sûr, sous cette vidéo, mais des commentaires dans Amazon. Quand vous avez téléchargé le livre, que vous l'avez survolé, dites-moi ce que vous en pensez, dites aux autres dans ce commentaire si vous le recommandez ou non, voilà. Parce que ces commentaires permettent la promotion du livre et donc d'être vu sur le site d'Amazon plus facilement. Et donc, vous contribuez comme cela à partager l'évangile à, pour l'instant, tout le monde francophone. Donc, merci, merci de le faire. Donc, n'oubliez pas la promotion, même si vous n'avez pas l'habitude des e-books et que vous ne les utilisez pas, c'est toujours bien de l'avoir pour pouvoir le montrer à d'autres et aussi pour voir s'il vous plaît avant de l'acheter sous format papier, si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie tous. Et puis là, je vous montre la couverture du livre. Et puis, vous allez voir, sur la couverture même, il y a les 25 illustrations des histoires. Donc, je vous laisse découvrir ça. Si ça vous a plu et que justement j'ai des commentaires favorables, je vais continuer et mettre d'autres tomes puisque, comme vous savez, il y a beaucoup plus que 25 histoires sur Trésor du ciel. À bientôt! Au revoir!